Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, pour commencer à la série spéciale WWE Survivor Series Wargame 2022. J'espère que vous allez bien, parce que vous aurez pas mal de vidéos en ce samedi 26 novembre 2022. On aura ce match-là, on aura le Wargame masculin et féminin. On aura aussi deux autres matchs, il me semble. Les deux matchs pour le championnat, pour le titre, etc. Bref, on aura pas mal de choses, vous inquiétez pas. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, le show, c'est ce samedi, la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin, heure française. Mais ceux qui voudraient, par exemple, suivre le show pour le kick-off, qui n'a pas forcément été annoncé pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va y avoir, bah, n'oubliez pas que ça commence à 1h du matin. Voilà. Dites-vous, soyez prêts à 1h du matin, le kick-off, généralement, bah, pour ceux qui n'ont pas le network et qui ne peuvent pas regarder, c'est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de la WWE. Attention! Et voilà. J'ai décidé de prendre Seth Wicked Rollins pour la simple et bonne raison. Bah, pour moi, il va garder le titre. Voilà. Parce qu'ils se battent pour quoi? Ils se battent pour le titre des États-Unis, bien sûr. Ça va être un beau match. On a plusieurs façons de penser à tout ça. On peut se dire, peut-être que Bobby, hein, qui fera un très très bon champion des États-Unis, ok. Seth Rollins qui monte le niveau de la ceinture en restant toujours champion. Ou Austin Theory qui n'a pas réussi à mettre sa mallette à bon profit. Bah, peut-être que c'était pour qu'il rebondisse mieux et qu'il récupère le titre. On verra bien. N'hésitez pas à pronostiquer dans l'espace des commentaires comme d'habitude. De me dire ce que vous en pensez, tout ça, tout ça. Et bien entendu, si vous voulez laisser votre petit like, c'est très appréciable. Merci à ceux qui soutiendront pardon, la vidéo et la chaîne, et mettez des notifs, hein, parce que normalement, toutes les 1h30, toutes les 2h, en moyenne, vous aurez une nouvelle vidéo. Concernant ce pay-per-view, voilà, Bobby Lashley qui prépare la table. Je vais lui montrer qu'il a beau préparer la table, c'est moi qui vais tout péter. Alors j'ai vraiment hésité à... Dans l'ordre, parce que là je dis que c'est normalement cette vidéo qui sera la première de la série que je vous présenterai sur la chaîne, mais peut-être que ce sera le wargame féminin. Donc vous inquiétez pas. Oh, ils se mettent à deux. Oh, ils sont bien deux pour mettre une double patate. Ah ouais, c'est comme ça que ça se joue. Très bien. Oh bah par contre, il est en train de lui faire manger le fameux mur invisible. Attends, viens. Laisse-moi. Ah mais... Moi je veux pas me mettre avec toi. Mais pour moi Austin, t'es pas mon pote. Reste là où t'es. Non mais, je voulais attaquer Bobby. Bobby chou. Attends, t'inquiète. Non mais, oh là là, mais là ça va pas du tout. Toi, arrête de taper les gens. D'une. Et de deux, on va s'occuper tranquillement. Pas de contre s'il vous plaît. Tout va bien. Ah, j'avais bien vu que Bobby Lashley est un peu jaloux. Il s'est dit, ouais, non, mais il faut que ce soit moi qui pète la table et tout. Mais non, regarde-moi ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit là, bah, déjà. Non, mais... Monte la troisième corde. La troisième corde. On y va. Seth fucking Rollins. Bah oui. Impulsion. Réaction. Domination. Et bah oui, mon petit. Ça se passe comme ça. Pour l'instant... On va pas se mentir, on est très très bien dans le match. Bon, moi, comme par hasard, quand c'est moi, je me prends pas ce fameux mur invisible. Qui sait? Allez, je me suis dit, avec le pont, on pouvait tenter les jours fériés, etc. Personne ne nous regarde. Non, non, je t'ai vu. On tape fort, voilà. J'ai dit quoi? La petite domination. On y va. Il est vraiment fou. Sir Rollins. Alors moi, je voulais qu'il se relève. Enfin, je suis en train de le provoquer pour qu'il se relève. On va attendre un peu. Vas-y, Austin. T'inquiète. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Non, je dis... Laisse-moi tranquille. Mais laisse-moi tranquille. Il a dit non. Je te laisserai pas.
Bon bah ça, je pense que vous allez pas me revoir avant un petit moment. C'est faux. Je suis déjà là. Tiens. Oh, elle était assez puissante celle-là. D'accord. Alors là, j'ai pas vraiment compris pourquoi j'ai rien pu faire. Faut faire attention parce que Bobby Lashley a son spécial et son finisher. Manquerait plus que ça pour que je perde. Non, non, là, voilà. Bien joué aussi, une théorie. C'est ce qu'on veut voir. N'hésite pas à lui mettre un petit spécial dans la face. Ouais. Passer. S'il pouvait se faire du mal, histoire que j'en profite. Une seconde ou deux. Non, mais. Attaque le bon. Aïe. Au secours. J'ai dit. Au secours. J'avoue, le timing de. Cette prise était très très. C'était très très malin. Parce que j'ai appuyé bien. Bien plus vite qu'il ne le fallait. On essaie de les mettre au sol, mais. Pas l'impression que ça réussisse vraiment. Parfait. C'est maintenant. Maintenant, faut tout donner. Déjà de 1 pour avoir. Un deuxième finisher. C'est pas passé. Bazar, tu m'as eu, hein. Tu te rappelles ? Je laisserai pas une deuxième fois. Si, enfin, pas une troisième fois. Premier. Ouh. Quelle violence. Mais comment tu veux contrer ça? T'as vu le timing du contre? C'est intestable. Non. Simplement un. Bah oui, tu peux te toucher la tête. Alors qu'au début, on était très sûr de nous. On dominait. Je dis. Je mens pas en disant ça, hein. Ouais, le rope break, vite fait le rope break, hein. Franchement, à part si c'est on voit pas forcément bien, mais on va attendre qu'il tape au moins une fois, parce que des fois quand on le tape trop vite, bah, automatiquement il repart. Non, ça va piquer ça. Oh non. Et non, mais relève-toi Rollins. C'est maintenant qu'on a besoin de toi. Qu'il suffit que Bobby fasse une attaque. Et c'est fini. Oh là là. Bah oui, c'est fini. Bobby Lashley va devenir champion. Bah ouais. Et Rollins, qu'est-ce qu'il fait? Bah il fait la sieste. Bobby Lashley, le vainqueur de ce combat. Bah peut-être que ça se finira comme ça. Peut-être qu'il fera une soumission sur Austin Theory. Si c'est le cas, au moins on aurait été assez visionnaire à ce niveau-là. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!